Merci Fauquelaroy. Je crois que c'est la dernière fois où on se voyait, en tout cas en 2018. C'est l'occasion, je crois, de dire un petit mot peut-être aux Sparnassiens pour leur souhaiter des fêtes de fin d'année telles qu'ils l'espèrent, en tout cas. J'en profite, hein, c'est le premier vœu de l'année. On est encore au tout début du mois de décembre et l'idée, c'est effectivement d'adresser à tous les Sparnassiens des vœux très chaleureux pour cette année 2019. Je sais que la situation de certains d'entre eux est difficile. Je le dis chaque année, mais c'est une réalité et je pense que notre devoir est de penser avant tout à celles et ceux qui souffrent. Donc nous devons d'être à leur côté et nous devons également d'investir pour l'avenir parce que c'est à travers un avenir probablement meilleur et plus radieux que ces personnes pourront se sentir pleinement au sein de la communauté que nous formons ici à Épernay, avec évidemment le souci d'apporter le meilleur à chacun d'entre eux.